fort. Allô? Et là, c'est bon. Y'a quelqu'un? Oui. Et là, on peut parler, là? Oui. Les gens insupportables. Vous tapez par la maîtresse. C'est bon, on peut parler. Et là, on peut y aller, là, c'est bon. Mais c'est pas les gants. C'est sûr. C'est bon, là. Parce qu'on veut pas se faire engueuler, hein. Faut pas être un de la cheminée, mais derrière. Oh, il y a des petites fleurs qui tombent, des petits pétales. Allez, on redit bonjour aux animaux. S'il y a pas une fête dans pas longtemps, faudra vérifier. Oh non, stop les fêtes, j'en peux plus, moi. On a du boulot à faire, pas les fêtes. J'avoue, du boulot. Bonjour, dans la mine, hein. Bonjour, Marguerite. Bonjour, Tulipe. Bonjour, Amandine. Bonjour, Martine. Oh, bonjour, Joséphine. Mais tu te souviens de leur nom en plus? Non, non, c'est écrit, c'est écrit. Bonjour, Gontran. Ah, je me disais aussi. Elles ont salut une étiquette. Tu es abandonné pendant 2 mois, les animaux, après, on fait genre oh, un bonne morale, tout ça, mais. Genre, bye bye. Bonjour, Capucine. De quoi, mais t'es bien abandonné, hein. Ah mon dieu, on a un œuf violet, voyez. Un œuf violet deux. Ah, de qualité violette, j'ai dit en mode violet. Parce qu'un animal. Des œufs violets. Violet. Ah, j'en peux plus. Bah, je suis moi. Mais j'ai l'inventaire presque plein. Oui. Je vais chercher du gazon. D'accord. Très bien. Oui. Bonjour. Ah bah non, c'est pas ouvert encore à 7h50. Donc, quel jour on est jeudi? C'est ouais. Une défaignard, ça, dans le jeu. Oui. Ah, oh, 9h. Ah, oh, je suis excité. Ouais. Ah oui, tout à fait. C'est si long. 8h40. C'est l'heure de télémat. Oh, un pané. Ah non, c'est cool. Non, un parce que la matinée est tienne. Ah, mais c'est plus tard. Oh là là, c'est incroyable. Oh là là. Réveillé. Lui, il est encore au dodo, je rejoins. Pardon. Bah. Mais qui fait ça? Qui fait ce bruit, c'est incroyable. Putain, j'ai pas de bois. Il faut du bois. Rassurez-moi, on a du bois. Ah là là. Attends, quoi? Demande les stocks d'il y a 2 mois, je t'avouerais que je les suivais pas. C'est compliqué, on a battu tous les enfants, voyez. Mais vous vous souvenez, on avait du bois et tout. What the fuck. Niveau lore, il y a le père de Sam. Enfin, il y a le Sam qui me dit que son père est rentré et. On l'a vu rentrer la dernière fois? Mais oui, c'est Kent, je crois, non? Clark. Peut-être. C'est pas lui qui était à la guerre ou je sais pas quoi, là? Ah, c'est lui. Alors, je vous annonce, les gars, que nos ressources de bois sont très limitées. Comme je vous invite donc à couper des arbres. Eh bien, ouais, je t'invite à prendre ta hache. Ah ouais, je peux pas et dépenser notre bois et couper du bois, tu vois, faut que je choisisse. Soit je dépense, soit. Après, soit si tu faisais des dépenses intelligentes, peut-être qu'on en serait pas là. Bah, je vais acheter des chats, pas dire ça au gouvernement. Alors, je vous dis ce que je veux faire comme dépense. Le gouvernement. Vous allez me dire si c'est bien. Je veux mettre un. Comment on appelle ça? Un bac d'expédition. Un quoi? Où tu peux vendre tes objets. Ouais. Ça coûte 150 bois et 250 PO. On en a déjà. Pas cher. Oui, mais je voudrais en mettre un à côté de la serre pour qu'il y en ait un à l'opposé en fait. Et qu'il soit pas loin de la serre. Comme ça, quand la serre sera en place et qu'on sortira de la serre, on pourra vendre directement là. Ok. Choisissez, votez, éliminez le maillon faible. De toute façon, c'est moi qui décide. Alors voilà. Ah bon? Depuis quand? Bah depuis que c'est moi qui ai fait les plans de cette ferme. Je vais aller pêcher. Je suis pas d'accord avec la politique actuelle. On lui a donné tous les artefacts à l'autre là? Non, il en manque. D'accord. De toute façon, c'est ma ferme. C'est déjà bien bien rempli. Vous travaillez dedans. C'est ça. Techniquement, non. C'est la ferme aux célébrités. Mais salarié, je suis censé. Tu es une célébrité? Non, alors oui, tu vas au travail aussi. Non, je suis une célébrité, moi. Tu n'es pas la célébrité. Si.
Non, je ne crois si. Pas, non. Si. Non. Si. Toi, t'es une célébrité, peut-être ? Oui. Prouve-le. Je suis Mister Yakipon. Ouais. Ah oui, en personne. Enchanté. Eh ouais. Va voir un autographe. Ah ouais, t'es connu, oui, avec plaisir. Je te ferai une signature électronique, tu pourras l'utiliser sur tout n'importe quoi. On se calme, ça va plus. Faut que j'aille acheter du gazon. Encore ? Mais ça... J'en ai pas encore acheté. Toi, je suis allé acheter un bac d'expédition, alors, c'était important. Je vais acheter du gazon. Je vais acheter attention, du gazon. Gazon. En fait, elle a fait 50 magasins avant d'aller acheter le gazon. C'est bon, d'accord. Maman, bah, j'ai plus de sous pour acheter le gazon. Elle a fait Bricorama, Castorama, et quoi d'autre ? Jardiland. Attendez, je me tape la discute avec une voisine. Tirama. Il y a Caroline qui dit qu'elle va demander à Pierre de préparer le dîner ce soir. Ah, sacrée hein. Caroline. C'est la tortue dans les villes. Ah oui, c'est sympa. Une tortue atteint l'océan. Oh non, 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 non. Non, ça suffit ça. C'est, je veux plus en entendre parler. Il va couper tous les arcs que vous croisez. Sauf ceux de la ferme. Ah, je vais péter le mot de la ferme. Non. Boys, boys, boys. Ah ok. Je savais pas que tu aimais te balader de torse nuit là, dans une piscine. Moi si tu savais. Hein, hein. C'est le clip de Boys, Boys, Boys de Sabrina, un peu de culture. Ça veut dire qu'il a un bonnet F aussi, Imra, ou... C'est mieux que bonnet M. Oh non, bonnet M c'est vraiment très gros. Rasputin. Passe des trucs ici. Ouais, on n'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Enfin, le lait entier. Ouais, mais pour un vegan, ça fonctionne plus trop, hein. Enfin, le lait d'amande entier. Actuellement, je suis au lait de soja. Ah ben, enfin, le lait de soja entier. C'est trop drôle. C'est vrai ça, ils sont pas très inclusifs hein, dans WoW. Non, je voulais pas mettre ça ici. Tente de... Ah j'avoue. Moi ça me révolte hein. Ce n'est que guerre raciale et ce n'est que des gens qui mangent de la viande. Enfin, c'est pas normal non. Hein. Non, je déconne évidemment. C'est une grosse blague. Hein. C'est pas assez inclusif, c'est un très mauvais jeu. Je vais lui mettre la note. Ah oui. On avait découvert aussi à la fin de l'hiver que les clôtures n'étaient pas immortelles, vous vous souvenez ? Immortelles. Mais... Oh ah. Vous vous souvenez, Yaki, mais c'est pas possible. Putain, ça veut dire qu'il faut remplacer toutes les clôtures, les gars. J'ai de la culture merdique. Vous êtes pas prêts ? Non, on arrête de penser pareil. Ouais, mais ça j'y peux rien. Hein. Vous êtes pas prêt, Julie. Encore ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va acheter du gazon. Je préfère pas imaginer. Du bois. La terreur est en train de s'approprier mon corps. Et tôt. Ça devient flippant. Il faut du bois, les gars. Plus de bois. Alors, j'ai une question. D'accord. Les géodes, on peut les casser nous-mêmes, c'est ça ? Depuis peu, c'est ça ? Oui. Où ça ? Ah ouais. J'aurais bien une réponse, mais... C'est une machine comme celle-là, ah ouais. Celle devant toi, en fait. Ça devant toi. D'accord. Ça fonctionne pas, nécessite du charbon. Ah oui, si t'as pas de charbon, tu peux pas charbonner, hein. Merci, Ibra, pour cette intervention. On n'a pas de charbon. Grand plaisir, hein. Si t'as pas de charbon, et ben tu ne peux pas charbonner. Retenez bien la leçon. Coffre de minerai. Il y a du miel qui attend Yakipon. C'est tout à droite. Je répète, à droite. Le miel attend Yakipon. Ah, c'est celui-là. Il y a toute la machine qui travaille comme Jaja. Okay. Ah, c'est pas à droite. Le miel attend l'océan. Ça attend l'océan. Mais les plastiques. Bon. Eh bien, dans ce cas, débrouillez-vous. Mais qu'est-ce qu'il va pas ? Bah les machines à charbon, elles ont toutes été prises. Arrêtez tout.
Oui. Jusqu'à Bannon. Émilie, comme elle a dit que j'étais son pote, elle m'a donné du tissu. On en a besoin, centre Peut-être, je sais plus. J'arrête tout, moi. J'allais voir vite fait. Genre, je sais pas, Émilie, elle a fait « Ouais, j'étais trop mon bro, je t'aime. » Elle m'a donné du tissu. Adorable. Du coup, c'est pas Émilie Julie, c'est Émilie Gentil. Ouais, mais sur le coup, j'ai envie de lui mettre un bloc, quoi. Quand même, faut qu'elle se calme, la petite. Mais tu bloques ses paroles. Il manque quoi d'ailleurs là-haut? Il nous manque du panaïs avec deux points sur le i. Du melon. Il y a encore des chiottes là. Plein de fruits bizarres, du fromage de chèvre, de l'huile de truffe, des pommes, des abricots, des oranges, des pêches, des grenades, des cerises. Du grand lait de chèvre et de la laine. On n'a toujours pas les moutons, hein, c'est ça. Il nous manque du grand lait de chèvre, de la laine, du chou rouge, chose, ouais, comme t'as dit. Ah oui, je sais. Moi, j'étais en train de récolter des panais. Des pommes. C'est cool. Ça, en fait, qu'il y a dans mon champ. Il y a plein de panais pour avoir du panais de haute qualité. Ok, les maquis, on va pouvoir les cuisiner normalement. Mais les truffes, non, ça se ramasse. Les truffes, faut avoir des cochons, monsieur. Oh, va falloir envoyer des cochons. Bonjour, Ando, sur le chat. Eh oui. Hello, Ando. Parce qu'il a mis plusieurs U là, donc bonjour. Sauver une ferme, couper un arbre. Non mais c'est plus possible. C'est si gentiment demandé, hein. Comment ça va, mes petits agriculteurs? Demande-nous pas de couper un arbre. En tout cas, il y a une bombe qui va partir. Elle a dit de couper l'arbre, moi j'ai coupé l'arbre. Hein. Écoute, mais pas l'arbre de la ferme. Oh là là. Oh la boulette. Guillaume, ne refais plus jamais ça. Quoi, j'ai coupé l'arbre? Oui, mais faut pas. Parce que si c'était un fruitier, on fait comment? J'avoue. Celui-là, c'était un fruitier? Je sais pas. Faut voir avec madame qui a fait le plan. T'as coupé lequel? Je sais pas. Il a fait des choses. On avait dit pas ceux de la ferme, il a fait... Ah, celui-là, il est pas dans la ferme. T'as coupé lequel? Il a défoncé. Tu sais que ça met du temps à pousser en plus. Hein. Il a coupé lequel? Putain, non! C'était un fruitier? Je suis coupé! C'était un fruitier? La boulette. Non, c'était pas un fruitier. Heureusement. Qu'est-ce que tu comprends pas quand on dit ne coupe pas les arbres de la ferme? J'ai compris le contraire, excusez-moi. Coupe l'arbre. En fait, c'est pas clair. Hein. Mais ça repousse. C'est pas clair. Oui, heureusement, celui-là, voilà. C'est pas un fruitier. C'est quoi ces zoos? Bah, ça repousse, mais tu le prends quand même. Par contre, ici, il y a un souci, Nino, j'ai coupé là sans faire exprès. Oui. Qu'est-ce que. De quoi, t'as coupé quoi encore? Mais. Fatigue. Arrête de couper des trucs. Arrête de toucher à des trucs. Au moins, je sais, Nino a des coutures de rab. Ah, Ando me dit sur le chat que c'était sûr que c'était pas un fruitier. Apparemment, on peut voir ce que quand c'est un fruitier et quand ça l'est pas. Oui, t'inquiète, il y a un skin un peu plus spécial, c'était juste pour toi. Parce que n'oubliez pas, je suis méchant. Attends, si tu commences à couper mes arbres, ça va pas le faire. On va pas être copains. Il est minuit. On va pas être copains. Il y a qu'un seul Oli, c'est toujours le même. Bon, maintenant le mec, on est tout le temps de toute manière, c'est. C'est vrai, je suis rien de mes journées. J'ai une question. Les arbres fruitiers, je peux les planter en toute saison, c'est ça? Non. Si. Alors, ouais, les planter en toute saison, peut-être, mais oui, ils donneront pas de fruits. Ouais, oui. Je crois que c'est ça. Oui, oui, c'est souvenir, ça. Hein. Dans mes souvenirs, c'est ça aussi. Ok. J'aime. La belle maison et le mariage, ça en est où? Je crois que j'ai beaucoup plus avancé que Jake là-dessus, moi. Ouais, moi, il me manque de... Ami, je lui ai offert un bouquet et tout, c'est mon plan. Il me manque de cœur. Allez, je t'ai dépassé. Ça t'apprendra à lui filer la courante avec tes bébés. Non, je lui ai offert des gâteaux, des cookies, des fleurs. Ando, la question est pour qui? Oh, l'heure. Oui, oui, Imra. Oh non, Imra, ne fais pas ça alors que t'étais à la ferme. Non, c'est bon, il est là. Le mec, je suis à la ferme. Les deux. Vas-y, commence, Jacques. Sam. Et moi, c'est Harvey.
petit miel là, sauvage, bah ouais. Wow, 3500. Ah bah écoute, on a travaillé, hein. Nous sommes riches. Les deux, je vois les ça, quatre. Ouais. Tu coupes des arbres. Je crois que les deux autres, les ils bons. Ne font pas de relation parce que ce sont un peu des... Bah ils font ce qu'ils veulent. Ouais, ok. Chut, slash marque. Bonne nuit tout le monde. Attends. Chut, dis-toi. C'est bon.